Et je me disais en venant que, de toute évidence, on aurait été fiers et contents s'il y a 20 ans, le cinéma des cinéastes avait déjà existé, de présenter le film que vous allez revoir ce soir, parce que je pense que c'est exactement les films qu'on recherche, nous, au cinéma des cinéastes, c'est-à-dire des films à ce point-là emblématiques et forts et puissants. Donc, il faut savoir que Ezan est membre de l'Association des auteurs, réalisateurs, producteurs, et on n'est pas peu fiers de recevoir ce soir cette soirée exceptionnelle, parce que c'est assez rare qu'on fasse des soirées de cette nature-là, comme ça, un remember 20 ans après, d'une œuvre qui, je crois, n'a pas pris beaucoup de rides, parce que quand le fond est à ce point-là sincère et fort, les rides, on s'en fout, comme Ezan, elle n'a pas pris une ride, et c'est comme ça que c'est bon, et c'est comme ça que c'est bien le cinéma. D'amour avec un roman. Une histoire d'amour extrêmement importante pour la jeune fille que j'étais. Vous savez qu'à ces âges-là, on ne rigole pas avec ces choses-là. De cet amour-là est né un film. Un film plein d'amour qui a fait son bonhomme de chemin, qui a traversé les frontières, qui a enjambé les mers, pour employer une expression très très chère à nous antillais. Et voilà 20 ans que ça dure, que ça continue. Et c'est cet amour-là qui, ce soir, nous a réunis pour célébrer, certes, les 20 ans du film, mais plus particulièrement les 53 ans du roman et son auteur, Joseph Zobel, sans qui il n'y aurait ni Mantine, ni Médouze, ni José, ni Rue Casimir. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir avec moi Joseph Zobel. C'est la valeur universelle de ce moment qui m'a suivi. C'était tellement important parce que je retrouvais mon peuple, les gens, mes voisins, les gens que je côtoyais dans ce roman. Et je découvrais ma culture, je découvrais tout le monde. Et ça fait toujours, bon, peut-être pas, le plus petit enfant de l'univers et le représentatif de notre identité. C'est ça, la rue Casimir.